Andrew Nana, mes fiston, petit frère, écoute bien. Je vais d'abord m'adresser à toi. Après, je vais m'adresser à Jérémy Ditap et à votre père, Joseph Antoine Bell. Parce que c'est un domaine que vous connaissez très bien. Écoute, je commence d'abord par toi, Nana. Ceux qui te montent, fiston, petit, ceux qui te montent contre une personne qui t'a donné la visibilité, sous prétexte que tu as été très bon pour être là, là où tu es. Mais tu te trompes. Toi-même, tu le sais. Connaissant les réalités du football, tu peux être bon et ne pas trouver un club. Tu peux être bon et ne même pas être regardé par un club. Parce que le football, c'est aussi les connaissances. Tu peux jouer comme quelqu'un qui a 10 pieds, 10 mains, mais tu ne trouves pas le club. La preuve en est, mais tu vois ton frère Ondoa. Est-ce que avoir ton frère Ondoa là, tu crois que ce jeune homme ne mérite pas jouer dans une équipe de première division, de première division aussi en Europe. Ayant gagné la Coupe d'Afrique en 2017, malgré ça, il n'a pas trouvé de club. Donc c'est pour te dire, jeune homme, il faut être reconnaissant. Reconnaissant pour une personne qui t'a sorti de l'ombre. C'est pas ton talent qui t'a fait sortir de là. Parce que nous autres, comme ça, on a eu ce talent. Ton poste, je joue à ton poste. Tu ne fais rien extra que moi, je ne pouvais pas faire. Mais nous n'avons pas eu cette chance d'avoir les gens qui nous tenaient en main. D'avoir les gens qui parlaient de nous. Avec toute cette frustration montée dans tout le monde entier, à la recherche d'un club, nous nous sommes fait mal dans la frustration. Les bobos ont commencé. Et là, on est obligé de lâcher. Ok? Donc, il faut être reconnaissant. Je suis passé par beaucoup de pays asiatiques, européens. Mais je n'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait m'ouvrir les portes. Donc, la reconnaissance est très importante. Ces prigents politiques qui te montrent, je dis non. Toi aussi, demain, après-demain, tu seras retraité. Et ceux dont tu as tenu la main te manqueront aussi du respect. Tu n'es pas indispensable dans un club. Aucun joueur n'est indispensable, je dis non. Hein? Regarde ici, tu vois ici. Tu vois ici, on en a. C'est le centre de formation de l'équipe qui est en première ligue, qui est premier dans le championnat le plus, je peux dire, matérialiste, le plus structuré du monde, la Bundesliga. Oui, vous voyez ça? Il y a au moins ce Onana, il y a au moins ce 10 000 là, il y a au moins ce 10 000 élèves dans ce centre. Et tu sais combien sortiront de là professionnels? Peut-être même pas 5. Donc si tu as eu la chance d'avoir une personne qui avait déjà le nom, qui avait déjà les connaissances, qui t'a pris par la main, pour t'élever à ce niveau, fiston, ils ne doivent pas te tromper. Ils ne doivent pas te tromper parce que ils te mettent dans un mauvais chemin. Donc tu vas regretter. Pas seulement, pas maintenant, mais dans ta vieillesse. Parce que tu revivras les mêmes choses que tu le fais. Ok? Donc, jeune homme, tous ceux qui te disent que tu es le meilleur gardien du monde, c'est très bien. Tu peux même être le meilleur gardien de la planète, du globe terrestre, du monde. Mais tu pouvais rester sans club. Donc, il faut être reconnaissant. Ceux-là qui témoignent, qui collaborent avec toi, les Jérémy Ditap, as-tu déjà appris que ce monsieur a même pris même un petit poussin? Même un jeune Camerounais l'a mené quelque part faire un test? Non. Mais ce sont les gens qui sont là maintenant pour combattre leurs frères, qui apportent le fruit de sa souffrance pour aider les jeunes Camerounais, les donner, leur redonner l'amour du football qu'ils avaient perdu, hein? Leur donner le pain mérité par rapport à leur sport. C'est ces gens-là, comme Jérémy Ditap, qui sont derrière toi et t'encouragent. Sinon, tu sais, tu ne peux pas me commander un club. Je dis, même dans la Kreisliga Liga ici, quand je dis Kreisliga Liga, tu ne peux pas comprendre. Et même la 8e division, même 10e division, tu ne peux pas venir imposer à un co-coach ou bien imposer ta place. Ta place imposée sur le terrain. Et dans le groupe. Si tu es négatif pour le groupe, on t'écarte partout où nous sommes. Et ces gens politiques qui pensent influencer ceux qui ont été nommés pour diriger le football camerounais, pour lui donner ce blason au football camerounais, te trompe beaucoup.
Et parce que ces politiciens ne font rien pour l'Afrique. Ces politiciens ne font rien pour l'Afrique. Ces politiciens n'apportent rien pour l'Afrique. C'est nous qui sommes ici. C'est ces jeunes Africains conscients. Ces Africains conscients et souciés du devenir de l'Afrique qui combattent au quotidien pour valoriser l'Afrique. Pas valoriser l'Afrique dans la bouche, mais dans les actions. En cherchant à être meilleurs partout où ils sont. C'est ça. Jérémy Ditap, frérot, tu n'as jamais même revendiqué ton droit en Occident, même étant footballeur. Quand nous, nous étions là, devant, nous sacrifiant pour que l'homme noir africain, domaine footballistique et domaine humain, soit respecté, tu ne levais même pas le pouce. Donc, tu dois avoir au moins ce du respect à celui-là. À celui-là. Par son sacrifice, a fait en sorte que beaucoup d'Africains soient respectés dans ce domaine. Parce qu'ils pouvaient bien faire comme toi, prendre l'argent, mettre dans la poche et laisser que ses frères soient insultés. Mais il ne l'a pas fait. Dans cette jalousie-là, quand quelqu'un vous dépasse, il faut porter son sac. Quand quelqu'un vous dépasse, il faut porter son terrain. Dans la vie, c'est ça. Le monde de maintenant, quand quelqu'un est fort que toi, il faut te mettre sous son aile pour qu'il te protège. Sinon, tu vas te faire battre. Quand quelqu'un a plus de moyens que toi, il faut le respecter. Et si quelqu'un t'a tendu la main, il faut toujours le dire merci. C'est ce merci-là qui te virait de l'avant. Ceux qui parlaient de football là, au Cameroun là, ils n'ont même pas pris même un bus même pour aller quelque part. Ils ne connaissent pas là. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le football là. Le football ne se développe pas à partir de l'équipe nationale. Le football se développe à partir du championnat du pays. Pas à partir de l'équipe nationale. L'Angleterre a créé le football. Mais l'Angleterre a combien de Coupes du Monde? Et c'est le championnat le plus cher du monde. Hein? Vous les petits complexés là du pays, vous les petits complexés de l'Afrique, qui croyez toujours que la réussite est magique. Si quelqu'un a réussi, c'est qu'il est entré dans les trucs mystérieux. Le mystère n'existait pas. Hein? La magie n'existait pas. Tout s'est bâti. Mais dans le réel. C'est ça. As-tu compris, Jérémy? Tu es là depuis 2016. Mais les enfants qui jouent au football, les jeunes n'arrivaient même pas à se payer le pain haricot le matin pour manger. Depuis 2016, donc tu as attendu 8 ans pour venir dire que tu vas vérifier les salaires des joueurs qui ont été mis sur place par ton frère et ton fils. Tu vois que tu existes maintenant parce que tu es jaloux de ce monsieur. Tu es jaloux de cette nouvelle équipe dirigeante qui a fermé, qui vous a fermé les robinets pour que vous n'utilisiez plus la sueur et le sang des pauvres Camerounais pour vous nourrir. Et toi, Joseph Antoine Bell, Jojo, tu sais, frérot, grand frère, nous sommes des mêmes villages. Nous sommes des mêmes villages. Et je ne t'ai pas vu un jour planter même un arbre public qui peut servir d'abri aux villageois dans un lieu public. Et c'est toi qui viens critiquer ton fils et tout. C'est toi qui monte contre ton fils et tout. Frérot, tu as échoué. Tu as échoué. Je m'adresse ici à vous tous qui voulez que le changement vienne par le sang. Que le changement vienne par la destruction de nos institutions. Que le changement vienne par les cris de haine dans la division ethnique, tribale. Vous avez échoué. Votre manipulation a échoué. La nouvelle génération changera l'Afrique. La nouvelle génération changera le Cameroun. Sans qu'une seule goutte de sang n'écoule. Allez dire cela à vos leaders politiques. Ok? Respectons nos institutions. Ceux qui sont là maintenant partiront. Et ils partiront. Ils partiront. Ils apprendront de ce changement que nous, la nouvelle génération, apportons. Sans violence. Donc, ce combat que vous menez contre nous est voué à l'échec. Et je salue toujours nos hommes en tenue. Les militaires qui sont toujours là pour corriger et se sacrifier pour le peuple. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel.
de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.